à la une ce soir. Retour sur le discours du Premier ministre hier avec un clin d'œil sur les promesses. Les annonces politiques, économiques et sociales, vous aurez droit aux réactions de deux des citoyens et un commentaire de la rédaction. Cette commune du Burkina renouvelle leur confiance à l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour la desserte en eau. Elles ont signé un contrat de 5 ans ce vendredi pour marquer la session. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Les élections municipales à venir pourraient être couplées avec un référendum pour l'adoption de la Constitution. Le Premier ministre l'a laissé entendre face à la représentation nationale la nuit dernière. Voyons les annonces politiques de ce discours avec Wendata Nathalie Kaori. Le Burkina Faso pourrait passer à une cinquième république avec l'adoption d'une nouvelle constitution. Le Premier ministre a annoncé que le projet sera mis en chantier par une commission dont le résultat du travail sera soumis à un référendum. Ce n'est pas une certitude, mais ce référendum pourra être couplé aux futures élections municipales. Et pour des élections apaisées, il faut réconcilier les Burkinabés après tant de souffrances et de sang versé pendant les récentes périodes de crise. Paul Kabatsieba en est conscient, mais selon lui, la réconciliation, oui, mais la justice et la vérité d'abord. La justice, voici un secteur dont le Premier ministre s'engage à redorer l'image. La lutte contre la corruption dans ce secteur et la promotion d'une justice accessible par tous les Burkinabés seront une réalité. Sur le mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Paul Kabatsieba rassure, il n'y a aucune interférence de l'exécutif dans le travail de la justice burkinabé sur cette affaire. Toutes les actions du gouvernement au cours du quinquennat ont besoin d'être menées dans un environnement sécurisé. Pour lutter contre l'insécurité, des comités locaux qui sont des organes de veille vont travailler en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Les moyens d'action et les capacités des agents de défense et de sécurité seront également renforcés. Par ailleurs, la création de l'Agence nationale de renseignement répond à un souci de sécurité nationale. Et Paul Kabatsieba de préciser que ce service n'est pas un instrument politique qui vise un clan en particulier. Dans ce discours, Paul Kabatsieba a promis des réformes pour relancer l'économie nationale. Il compte lutter contre la corruption, assainir les finances publiques et promouvoir les filières porteuses. Drissa Seri. Abordant le volet économique de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre s'est montré très à l'aise devant la représentation nationale. Pour relancer l'économie et lutter contre la pauvreté, il s'est engagé à mettre en œuvre des réformes qu'on peut qualifier de courageuses, des réformes ambitieuses et innovantes. Tout le monde est unanime, la corruption est un fléau pour l'économie. Paul Kabatsieba s'engage à mener une lutte sans merci contre ce fléau. Une des plaies de l'économie, c'est la passation des marchés publics, qui constitue un goulot d'étranglement au développement économique. À ce niveau, la déclaration du Premier ministre a gardé le silence. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement s'inscrit dans le sillon tracé par la transition. La politique de réduction du train de vie de l'État sera de mise. Sur la base de son expérience de technicien de la BCAO, le Premier ministre fait référence au principe de gestion rigoureuse et préconise des réformes structurelles pour transformer qualitativement le tissu économique. Il prêchera au cours de ce quinquennat la réduction des charges de fonctionnement de l'État pour financer l'investissement. L'accent sera mis sur la mobilisation des ressources internes par l'élargissement de l'assiette fiscale, disposition défendue par tous les anciens candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit à l'augmentation du nombre de contribuables, mais aussi à améliorer le taux de pression fiscale du Burkina, qui se situe présentement autour de 14% pour le tirer vers 20% qui est la norme communautaire. L'investissement est un facteur déterminant dans la croissance économique. Fort de son expérience de banquier, le Premier ministre n'exclut aucun créneau de mobilisation des fonds disponibles sur les marchés financiers régionaux et internationaux. Il suggère le recours à la finance islamique que certains pays ont expérimenté avec succès comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal et la promotion du partenariat public-privé afin de réaliser des infrastructures économiques rentables comme le pont Henri Konan-Bédié. Que le gouvernement de Paul Kabatsieba pense à la création d'une caisse de dépôt et consignation, une caisse indépendante déconnectée des politiques dont le rôle sera de financer des secteurs vitaux de l'économie.
Dans le même esprit, le Premier ministre propose la création de banques spécialisées dans le financement de secteurs divers. Une banque agricole, une banque des PME-PMI. Une bonne initiative de prime abord, mais qui suscite des interrogations. Ces institutions survivront-elles dans la jungle des banques commerciales? La BND et la BACB sont mortes de leur belle mort. Les infrastructures routières, les filières porteuses ne seront pas en reste dans les priorités du gouvernement Tiéba. Il compte aussi donner un coup de pouce au secteur de l'industrie en dynamisant les zones industrielles de Bobo et de Ouaga, en restructurant les entreprises en difficulté, en améliorant la compétitivité des entreprises locales. Durant les 5 prochaines années, le gouvernement aura du pain sur la planche au point de vue économique. Si le gouvernement parvenait à matérialiser le tiers des réformes préconisées, il contribuera à changer le quotidien des Burkinabés. De la gratuité de certains aides médicaux, renforcement des plateaux techniques, le Premier ministre a fait des annonces sur le plan santé. Il prévoit une formation continue des agents de santé. Lazare Pouya. Je veux qu'il fasse tout pour appliquer quoi. Parce qu'on a déjà vu ce discours, la même chose. Mais je pense que cette fois-ci, ça doit être appliqué avec ce qu'on a vu, ce qui est passé. Il a étalé quand même tout le programme de quinquennat en matière en tout cas de l'emploi. Voilà, c'est ce qui m'a retenu l'attention, les 16 000 emplois, au moins les agents communautaires au niveau des villages. Ça permettra en tout cas, ça va sauver quand même beaucoup de vies. Et, voilà, et surtout aussi les ambulances. Voilà, dans les départements, ça va faire beaucoup de bien quoi. Voilà. Bon, au niveau de l'éducation aussi, il a promis la construction des écoles, des amphithéâtres. Je pense que l'un dans l'autre, en tout cas, on espère qu'il pourra aboutir. Moi, je sais qu'il a beaucoup parlé du genre. Il compte beaucoup aider les femmes là à se développer. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse, quoi. C'est bon. Bon, si il dit qu'il tourne la page, il faut tourner la page. Pour un nouveau Burkina. Il a pris des engagements forts pour le développement de l'agriculture, pour le développement de l'économie, pour le développement surtout de la France jeune. Il disait tantôt que l'université quand même a mis des diplômés sur la place du marché qui, un certain pourcentage, n'est pas employé. Donc il prend l'engagement d'œuvrer dans ce sens pour que les jeunes qui sortent de nos universités, de nos écoles supérieures aient des emplois. C'était là donc les réactions des Ouagalais sur ce discours du Premier ministre Paul Kaba Tieba. Retour à présent sur la gratuité de certains actes médicaux annoncés par le Premier ministre. Pendant ce discours hier, il prévoit une formation continue des agents de santé. Lazare Pouya. Au total, 13 actions prioritaires dans le secteur de la santé constitueront le plan de résistance du gouvernement de Paul Kaba Tieba. Des actions fortes telles la normalisation de 361 centres de santé et de promotion sociale, dont 61 pour cette année en cours, 33 centres médicaux avec antenne chirurgicale CMA, dont 15 en 2016, 2 centres hospitaliers régionaux en 2016 et la poursuite de la transformation des CSPS des chefs-lieux de communes rurales en centres médicaux. Pour ce dernier point, 37 seront réalisés entre 2016 et 2017. Paul Kaba Tieba est convaincu que l'amélioration de la santé des Burkinabés passe par la construction de nouveaux CSPS afin de réduire la distance entre les populations et les lieux de soins. Aussi, 240 nouveaux CSPS, dont 40 en 2016 et la construction de 11 nouveaux CMA, dont 2 en 2016, ont été annoncés au cours de sa déclaration de politique générale. La transformation progressive des CHR en centres hospitaliers universitaires constituerait la troisième bataille du gouvernement Tieba dans le domaine de la santé. Le gouvernement poursuivra l'opérationnalisation du système national d'assurance maladie universelle tout en renforçant la qualité des services par la promotion de la formation continue, les spécialisations et l'amélioration du plateau technique. Le Premier ministre a également pris l'engagement de doter les formations sanitaires en ambulances, soit au total 300 ambulances pour le quinquennat, dont 60 pour cette année. Aussi, les moyens motorisés seront renforcés par l'acquisition de 1600 ambulances tricycles, dont 320 en 2016. La gratuité du dépistage des cancers de la femme, des soins d'urgence et des actes médicaux se rapportant à la santé de la mère et de l'enfant sera bientôt une réalité palpable.
La promotion de la planification familiale sera également un des axes prioritaires du gouvernement Tiéba pour favoriser l'espacement des naissances et l'utilisation des moyens de contraception. Enfin, le chef du gouvernement a annoncé l'ambition de son équipe à renforcer les actions en faveur de la prévention des maladies et de la promotion de la santé. Et puis juste après ce discours, le Premier ministre s'est prêté aux questions des députés. Tous les points ont été abordés, l'insécurité, les infrastructures. Ibrahim Sombié et Karim Namwano ont recueilli quelques questions pour nos reportages. L'eau pour tous, la réalisation d'infrastructures routières, la fin des délestages, l'emploi des jeunes, la lutte contre l'incivisme et l'insécurité ont été au centre des préoccupations des députés. La question de la masse salariale est en rapport avec la question de l'amélioration de l'assiette fiscale. Parce que quand on regarde la structuration de notre fiscalité, elle repose essentiellement sur le monde salarié. Le projet de développement socio-économique du Burkina Faso s'élève à plus de 1 000 milliards de francs CFA. Alors, où et comment financer sa réalisation s'interrogent certains élus nationaux. Quelles mesures urgentes comptez-vous prendre pour la cohésion de l'armée et faire face à la menace de la sécurité, de la paix, afin de permettre aux Burkinabés de vivre dans la quiétude et vous permettre de réaliser sereinement votre programme de gouvernement? Sans dévoiler le dispositif sécuritaire, Paul Kabatieba inscrit la sécurisation du territoire dans ses priorités. Les matériels prévus concernent les moyens pour équiper les forces terrestres, l'armée de l'air et les unités de gendarmerie nationale et de police dans le but d'accroître leurs capacités opérationnelles. Je vous demande votre indulgence. Je ne vais pas aller dans plus de détails. Pour financer son ambitieux projet, voici des pistes de solutions. L'UMOA dit que chaque pays doit faire l'effort d'aller vers un taux de pression fiscale de 20%. Ça veut dire qu'avec mes collaborateurs, les ministres, tout le monde va se mettre à l'œuvre pour voir comment est-ce qu'on peut mieux intégrer le système informel dans le système formel, comment est-ce qu'on peut mettre fin aux exonérations qui sont indues, etc., pour essayer d'augmenter nos recettes fiscales. Voilà. Donc ça, c'est des efforts qu'on va essayer de faire. Quelle échéance pour le passage à la 5e République? Une commission constitutionnelle qui aura pour mission la rédaction du projet de constitution sera soumise à un référendum avec comme possibilité de coupler ce référendum constitutionnel avec les élections municipales qui sont prévues pour se tenir déjà le 22 mai. Au terme de la série de questions-réponses, Paul Kabatieba a été investi comme Premier ministre du Burkina Faso avec 72 voix pour et 53 abstentions. Ce discours a été diversement apprécié par les différentes composantes de l'Assemblée ainsi que les partis politiques. Tous reconnaissent que cette politique générale touche l'ensemble des besoins de la population. Ils attendent de voir sa mise en œuvre. Ibrahim Sombié, Karim Patrick Namwano, Nyarkiteda. Le discours de politique nationale était beaucoup attendu par la représentation nationale. Paul Kabatieba, dans sa déclaration, a visité les domaines clés de développement. Et pour l'Union pour le progrès et le changement UPC, l'on attend de pied ferme le nouvel exécutif dans la mise en œuvre de toutes ses actions. Le vrai maçon se voit au pied du mur. Et nous pensons que ces promesses qui ont été faites, et comme il y en a qui ont été citées clairement pour 2016, et c'est très facile pour nous. D'ici la fin de l'année, nous verrons. Attend de voir la réalisation, l'UBN y pense également, mais pour le lieu de ce parti, il faut résoudre urgentement les questions foncières pour la promotion des secteurs de production. Parce qu'au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, là, nous, sahéliens, chaque année, il y a des problèmes. Les gens ne s'entendent même pas sur les problèmes. Le Congrès pour la démocratie et le progrès perçoit ce discours comme une belle perspective, mais avec un questionnement tout de même. Par rapport aux intentions, par rapport aux engagements, par rapport à ce qui, en tout cas, est présenté comme projection, il y a lieu de se demander où, j'allais dire par où trouver les moyens
pour effectivement financer donc une telle politique de manière concrète. Le PARAN, le Parti pour la Renaissance Nationale, apprécie positivement la déclaration qui prend en compte, selon ce parti, les aspirations du peuple, mais des domaines doivent être traités de façon spécifique. Pensons que le défi sécuritaire est l'un des premiers combats qui doit relever. Mais en même temps, c'est la jeunesse burkinabé qui a fait l'insurrection populaire. Il doit penser à la jeunesse, trouver de l'emploi pour les jeunes burkinabés, pour éviter une prochaine insurrection. Pour le parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès, le discours du Premier ministre est en droite ligne avec le programme du président du Faso. C'est une déclaration qui est inspirée du programme quinquennal de notre candidat sur la base duquel il a eu la confiance du peuple burkinabé. Donc après cette élection et après la mise en place du gouvernement, il est normal que le Premier ministre s'active à la mise en œuvre intégrale du contenu de ce programme. À propos du lasso, le monde syndical réagit au discours avec la société civile. Ils attendent tous de voir les réalisations. Karim Ilboudo, Ali Traoré. Au lendemain du face-à-face entre le Premier ministre Paul Kaba Tchéba et le législatif burkinabé, les débats ne font que s'alimenter. Dans la capitale économique, le discours du chef du gouvernement a été unanimement apprécié par ceux que nous avons rencontrés dans le monde syndical et des OSC. Et il était très à l'aise en ce qui concerne les finances et l'économie pour le développement économique et financier de ce pays. En plus de l'employabilité des jeunes et de la relance économique du pays, les Bobolais apprécient le programme de Paul Kaba Tchéba qui met également en bonne place la lutte contre l'insécurité. Par rapport au contenu, j'ai apprécié la lutte contre l'insécurité. Il a parlé de doter l'armée de moyens, l'armée de terre comme l'armée de l'air, de moyens adéquats pour lutter contre le terrorisme. Dans son programme, le Premier ministre prévoit aussi un plan de développement de la cité de Sia, chose qui rassure les acteurs de la ville. Des usines de Bobo Dioulasso, et puis surtout aussi, il a parlé de l'ouverture des banques pour les femmes aussi, et la main d'œuvre aussi de la jeunesse. Voilà, vraiment, ce sont des aspects qui nous tiennent beaucoup à cœur, et vraiment, c'est la bienvenue. L'heure est d'abord au mot pour le Premier ministre, mais les Bobolais croient déjà que Paul Kaba Tchéba pourrait relever les défis du moment. Selon moi, en tout cas, je pense que Paul Kaba Tchéba, avec la détermination et le courage qu'il a, je pense qu'il est venu pour changer les choses. Néanmoins, le monde syndical et des OSC compte garder un œil vigilant sur la gestion de la chose publique. Jérémy Sekoulibaly, bonsoir. Bonsoir Simon. Alors, hier vous avez suivi ce discours de Paul Kaba Tchéba pendant 8 heures pratiquement. Le Premier ministre s'est adressé aux députés et vous décryptez ce discours pour nous au nom de la rédaction. Que vous inspire justement ce discours? Merci Simon. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un discours qui a pris souvent des allures de cour magistrale qui nous a été donné de voir lorsque le chef du gouvernement burkinabé a sacrifié au rituel de déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Très à l'aise sur les questions économiques, Paul Kaba Tchéba dépeint de l'économie du Burkina un tableau calamiteux, même s'il se défend d'être un prédicateur de la sinistrose. Le mot est du Premier ministre. Performance mitigée, croissance trop faible pour éradiquer la pauvreté, manque de compétitivité, possibilité d'investissement limitée. Tels sont entre autres les ingrédients du cocktail qui expliquent que plus de 40% des Burkinabés vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit avec moins de 153 500 francs CFA par personne et par an. Inacceptable pour le locataire de la primature qui estime que la pauvreté n'est pas une fatalité pour le Burkina. Et c'est cette conviction que pendant 8 heures d'horloge, il a essayé de partager avec la représentation nationale. Devant les députés, Paul Kaba Tchéba s'est présenté comme un homme déterminé à se hisser à la hauteur des défis du Burkina post-insurrectionnel. L'enjeu, c'est la construction d'un Burkina nouveau, fondé sur les valeurs de progrès et de bonne gouvernance. Sans langue de bois, il prône le volontarisme économique, la suppression des monopoles et des passe-droits pour faire jouer le libre jeu de la concurrence.
C'est une approche du développement aux accents quelque peu libéral. Un libéralisme assumé au pays de Thomas Sankara, où des générations entières d'intellectuels ont été formatées dans un moule politique et idéologique, où il ne fait pas bien de nier l'État dans l'intérêt de l'individu, tel que théorisé dans la doctrine ultra-libérale. Un libéralisme qui fait aussi oublier la social-démocratie, héritier sans doute de cette tradition de gauche, puisqu'il a lui-même fait ses armes dans le mouvement scolaire et étudiantin. Paul Kaba-Tiéba ne s'est pas non plus privé de tacler avec vigueur la banque et la finance internationale, dont leurs préoccupations sont de faire du profit, toujours du profit, et non de s'intéresser au développement du Burkina. Et l'homme sait de quoi il parle. Personne ne viendra développer le Burkina à notre place, foi de Kaba-Tiéba, qui envisage la création d'une banque agricole et d'une caisse de dépôt et de consignation. La République exemplaire dont il est question a pour socle le patriotisme, l'attachement à l'éthique et à la probité, la lutte contre la corruption, l'impartialité et l'indépendance de la justice, l'égalité des chances pour tous les Burkinabés, notamment grâce à l'école, qui doit permettre la promotion de chacun, quelle que soit son origine sociale. Scandalisé par le Burkina sous l'ancien régime, qu'il considère comme un pays anormal, parfois indigné d'une sincérité qui frise même la naïveté, c'est un homme engagé à gouverner autrement. C'est un homme engagé à gouverner autrement que le Premier ministre a sollicité la confiance des députés. Le Burkina nouveau ne peut pas passer par perte et profit les crimes de sang et les crimes économiques qui ont émaillé son histoire. On ne peut pas faire la réconciliation à n'importe quel prix. Telle une sentence, voici la réponse donnée par le Premier ministre Tiéba à la question de la réconciliation nationale. Le chemin pour y parvenir est le triptyque vérité, justice, réconciliation. Chef du gouvernement, Paul Kaba-Tiéba est resté dans son rôle quand il s'est agi de se prononcer sur les questions militaires et sécuritaires qu'il juge relevant du domaine régalien du chef de l'État. Nommé par le président du Faso, il s'est dit en phase avec Roch Kabore sur le principe de la subordination du militaire aux politiques en démocratie et sur la sanction populaire dans les urnes comme mode de dévolution du pouvoir. Engagé à faire des réformes structurelles, volontariste pour engager le Burkina, certes, mais les bémols pourraient venir de la mobilisation des ressources. 2000 milliards de francs CFA à trouver chaque année, quand cela ne tienne, avec la conviction de ceux qui croient, qu'avec la foi, on peut bouger des montagnes, Paul Kaba-Tiéba veut partager ce credo avec les Burkinabés. Il a réussi à convaincre la représentation nationale, mais il n'y aura pas d'état de grâce avec les populations des villes et des campagnes du Burkina, et il le sait. Merci à vous, Jérémie Koulibaly, pour ce commentaire. Donc, sur le discours, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Et dans la mise en œuvre de son programme, le gouvernement, le soutien des partenaires, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest l'a dit ce matin au président du Faso. Il cherche une date pour une rencontre qui pourrait définir le genre de soutien à apporter au pays. Urbain Benito Sommé, Mounir Akere. Ibrahim Chambas chez le président Roch Marc Christian Kabore. Le représentant du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest est venu féliciter le président du Faso pour l'organisation réussie des élections de 2015. Comme vous savez, l'année dernière, c'était une année des élections en Afrique de l'Ouest et nous avons eu des élections très réussite dans la sous-région, y compris ici, à la fin de la transition. Et les élections qui étaient déroulées ici étaient une élection réussie. Avec le président Kabore, il a aussi été question de dynamiser le groupe de soutien au Burkina. Et comme vous savez, pendant la transition, il avait ce groupe de soutien, groupe d'accompagnement. Mais nous avons insisté aussi toujours que ce ne sera pas juste pour la période de la transition. Il faut voir comment
continuer d'appuyer le Burkina Faso. Une rencontre des partenaires est en vue afin de trouver les voies et moyens pour continuer à soutenir le Burkina Faso sur le chemin du développement. Dans l'actualité ce soir, l'Office national de l'eau et de l'assainissement revoit ses contrats avec 7 communes du Burkina. Les villes concernées consentent à céder la gestion des systèmes de desserte en eau pour les 5 prochaines années. L'ONEA va donc s'occuper de la distribution de l'eau potable dans les municipalités concernées pour les 5 ans à venir. Jean Zongo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est reparti pour 5 ans de collaboration entre l'Office national de l'eau et de l'assainissement et 7 communes, à savoir Bitou, Diapaga, Diébougou, Gayeri, Houndé, Thomas et Zorgo. Un nouveau contrat d'affermage acté au bout de 2 jours de concertation. C'est l'ONEA qui joue le rôle de concessionnaire chargé d'apporter son expertise pour la gestion des systèmes de desserte en eau potable de ces communes. En termes d'investissement qui a été fait sur le terrain, tout le patrimoine, disons, appartient à la collectivité. Et la collectivité a le devoir de rendre ce service aux populations. Maintenant, l'ONEA, en tant que fermier, joue ce rôle-là à la place de la collectivité. C'est ce service qui produit et qui distribue l'eau. Les 2 précédents contrats qui sont arrivés à terme en décembre 2015 ont donné satisfaction. Le nouveau, quant à lui, va connaître quelques réaménagements à la lumière des discussions entre les 2 parties. Des réajustements techniques surtout. On a surtout renforcé la mission des communes là, dans le suivi donc de l'activité. On a aussi, comme je le disais, repoussé un peu les délais donc, de redevabilité pour nous permettre d'être à jour dans les délais actuellement fixés. La dynamique bénéficie de l'accompagnement de l'ONG Eau Vive. L'enjeu ici, assurer le bon fonctionnement des systèmes d'adduction d'eau potable des communes partenaires au profit des populations. Le ministère de la Santé prépare un plan de riposte contre une éventuelle épidémie de méningite. Lors d'une rencontre vendredi, les spécialistes ont partagé les connaissances sur des informations sur les connaissances de la maladie. À terme, ils doivent prendre des mesures pour éviter la propagation de la méningite. Abdoul Rasmane Zongo. Y a-t-il une alerte ou une épidémie de méningite au Burkina? La réponse n'est ni l'une ni l'autre. Explication du ministre de la Santé. Nous sommes actuellement à 0,5 cas pour 100 000 habitants. Alors que pour parler de l'alerte, il faut que nous atteignions 5 cas pour 100 000 habitants. Et pour parler d'épidémie, il nous faut atteindre 10 cas pour 100 000 habitants. Toutefois, l'arbre de ce satisfait-ci ne doit pas cacher la forêt des défis. La maladie est bien présente et évolutive. C'est pourquoi il faut jouer la carte de la prévention et de la riposte en cas d'éventualité épidémique. Ces mesures consistent à mettre en place dans tous les districts sanitaires, c'est-à-dire dans toutes les régions et dans tous les hôpitaux, un paquet donc, d'éléments composés de médicaments, composés de vaccins, composés d'autres consommables médicaux pour au cas où on constatait que nous sommes dans une situation épidémique, pour que l'État puisse réagir de façon efficace. À l'endroit de la population, éviter les poussières en mettant des casse-nez, en mettant du beurre de qualité dans les narines. Cette rencontre fait aussi office d'information, de sensibilisation et de mutualisation d'expériences en vue d'un front uni contre la méningite. C'est une exclusivité RTB. Didier Drogba vient de quitter l'aéroport international de Ouagadougou. L'international ivoirien de l'Impact de Montréal au Canada a séjourné pendant quelques heures dans notre capitale. Une équipe de la RTB a fait le pied de grue à l'aéroport international pour voir l'ancien joueur de Chelsea, Lassina Assawadogo et Salif Belem Junior.
Nous sommes ici au salon ministériel de l'aéroport international de Ouagadougou. On nous a annoncé l'arrivée de l'international ivoirien Didier Drogba, sociétaire de l'Intact de Montréal au Canada. Il est arrivé à Ouagadougou, paraît-il, sous le coup de 15h. Il part à 20h. Nous avons eu l'information et nous venons chercher l'exclusivité pour vous, téléspectateurs de la radiodiffusion télévision du Burkina. Nous essayerons de lui arracher quelques mots sur la raison de sa venue ici à Ouagadougou ce samedi. Auquel cas, écoutez, nous aurons essayé pour vous offrir une exclusivité. Bonsoir. Didier. Didier. Le Canada, c'est comment? Didier, s'il te plaît, Didier. Didier. Voilà, vous aurez pu le constater avec nous. Nous avons essayé d'arracher quelques mots à Didier Drogba. La sécurité, le protocole nous a fait savoir qu'il n'y avait pas d'interview possible ici pour Didier Drogba. En tout cas, on a essayé de vous offrir quelque chose. Vous avez vu les images de la sortie de Didier Drogba pour rentrer en tout cas dans le salon ministériel de l'aéroport international de Ouagadougou où le jet privé l'attend pour le ramener sans doute du côté du Canada. Merci à vous, Lassina Sawadogo. Vous aurez en tout cas essayé. Et l'ONG Terre des Hommes partage ses connaissances sur la protection des enfants mineurs. Une étude commanditée a fait ressortir les pratiques de communauté de base pour le bien-être des tout-petits. Ces pratiques endogènes de protection des enfants ont été présentées au cours d'une conférence publique à Bobo-Dioulasso. Les explications de Christine Koulibaly. Si les acteurs de la protection de l'enfance ont du mal à s'accorder sur les notions de traite et de migration volontaire des enfants mineurs, la nécessité de protéger ces enfants ne fait pas de doute. Une protection qui implique une synergie d'action des acteurs, formels ou non formels. D'où cette étude sur les pratiques endogènes de protection des enfants concernés par la mobilité en Afrique de l'Ouest. Étude menée dans 5 pays de la sous-région. Nous avons une conviction, c'est que effectivement, les communautés en général n'ont pas attendu que viennent les ONG ou les États pour commencer à aider leurs enfants. Je pense que toutes les communautés ont d'abord comme premier réflexe, même si souvent elles le font mal, l'intention de protéger est là. Maintenant, l'étude en fait avait comme enjeu aussi de pouvoir décanter dans les pratiques qu'est-ce qui est fait, mais qu'est-ce qui est réellement protecteur. Qu'est-ce qu'on peut valoriser? Qu'est-ce qu'on peut renforcer? De ces pratiques, les notions de logeur, de grand frère ou de grande sœur. Des pratiques consignées dans un rapport que Terre des Hommes met à la disposition de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. La rencontre entre les chefs d'État burkinabé et ivoirien à Addis Abeba en début de semaine, fait la une donc des hebdomadaires de cette semaine. La revue de presse est lue pour nous par Aimé Solange Guigma. Ne t'inquiète pas, je n'en veux pas au président de ton Assemblée nationale. Lit-on à la une du journal du jeudi à propos de la rencontre des deux chefs d'État du Burkina et de la Côte d'Ivoire. L'hebdomadaire satirique recommande aux deux présidents, entre ses lignes, d'arrêter la diplomatie en trompe-l'œil. Puisque pour lui, les bonnes relations entre deux États qui veulent se respecter ne sauraient prospérer par le vilain jeu de soutien à des déstabilisateurs de part et d'autre. Chacun doit avoir le courage de reconnaître ses errements du passé et du présent afin de prendre le nécessaire nouveau départ que les peuples attendent. Car, explique-t-il, ce ne sont pas les dirigeants qui payent le plus lourd tribut des rébellions, des coups d'État et autres attentats terroristes, mais bien les pauvres populations. Au même moment, l'Obsdim de ce week-end invite la population à découvrir deux Amazones de la musique burkinabé, ainsi que le sixième album de Diko Fils intitulé Wakati, où c'est le moment. Il s'agit de la slamazone Malika Rakizatu Ouattara à l'état civil, Malika pour les mélomanes qui souhaitent, à travers cette œuvre autoproduite, imposer le slam dans les habitudes de consommation musicale des Burkinabés et de la peu bavarde Rita qui, malgré le manque de moyens, tenait mordicus à être un jour sous la rampe des projecteurs.
Voilà, c'est fini pour ce journal. Tout à l'heure à 21h, vous avez rendez-vous avec Jean-Emmanuel Ouédraogo qui vous propose un plateau spécial sur le décryptage du discours de la déclaration de politique générale du Premier ministre, donc hier à l'Assemblée nationale. Il aura comme invité Ousseni Tamboura du MPP, Ido Alitou de l'UPC et Abdoul Karim Saïdou du CGD. Merci de nous avoir suivis. À demain.